Maraba vumata wa radio Mayotte la première maraba wanyoja otena vumlio vanyanzi za tele na radio suparana vanita opara saya vili ya subuhi saya 12 iyo tia dakika 30 Snugal gazeti mojana wa mwana sainduti urunguza Maraba mimi na watukufu salamu julani ursulegi hawa mara ingina dhukuru shariani ya vingal jina la azile immigration hawa shuhu rasmi ini sharia kilwanbeli na osenatu rashimori bwanatani Mohamed Solihi ituwa nzia ni mwezi mwati wa mati aruma isuwa ya shimori utunduzi wa bibikala tumi Abdili Hadi leo avenzelia ajwe amba ibabanu wanata jaliwa na wazade wajeni zitongozini zisuti wa namna irongulishi hao namna watu watukovenze ya ike kamwe harimu azi akte de naissance il sopara aljawabu mbili mbili babu mazimamuru harimu isiwa ya shumori wa sohobelia wana hasera wana utungu masharti majiro ya hazi na zana kasudunga namna ya lazimu ulawa la polo nimenvanu ya lawana na udhamana wao wasire makiasi ya utosha mana matarajiu yao kayasi mwenvanu namna wako benzilia nao mazao habili kamwe ama nekama mfano mionano ya tayarishua mwezi 15 wa marsi kayatoa mavune ya lazimu wao watoshuka mavareni anbali na mrengi ofungu wao wanata watumama wa shimaore harimwa mafali ya tayarishua uvande wa iti ya faranza wanata wajua na ushashi rahana mahakumi inamine tukosikwa mba unu ushabaha julao wa vime ujuzu wao na maarifa wa mpumoja na ekipu zangina bele utashawushi za marke zisurongoleshia babu na babu harumwa iligi ya shimaore Awandi sana matalamu wanawajodu nga wa mitu mita mita de maendeli ya mdidimisho wa shibandeti harumwa isu ya shimaore wavinga zombo zangina leo wazilisha harumwa ilameri ya pamanzi hawazofanya zihaziza wa salama banda ikawa mbazo za onihana kamwe zalishua ubandi wa kanikele na wazofanya hazi pumocha rangu wanualawa harumwa iti ya Faransa na watu wa BGM umare unu ijimami so itukali ubandi wa kibla ni mtamboro divali zombo zangina utondolisho wabano utakemba watu wa tunde wa wajwe amba tongotini au tongotini ya tongisha tashiwandati jidimao na mneni harumu albavu la ishtiwa ya shimaori mazari skurubia mwahalio. Haushu rasmi rangu mwezi mwati wa marsi uli wabira de shariaini azili imigrasyo ya kilwa nbili na usena teortani Mohamed Solihi ya chuanziani harumu ya ishtiwa ya shimaori ibabanu watuwa mungalea harumu wa zilameri tongozini ziketijeje wanata wadzaliwao na wadzali kwamba wanu wajeni tongozini sutuwa harumu wa makartasi yao kala tumeabdiliadi. Harimu anzia ya internet liji France madzai suenye saamba sharia ini surumilwa maure rangu mwezi mwati wa Mars. Behunu wengini mwazilameri waideda wasalia wasilinda iruhusa ya nyumba ya mahakama ivu warumie sharia ini. Ini sharia ya tahulua na senator Tani baisha Faransa oho wengi watu kawakoita hamana istiarabusha sharia msingi ya shfaransa ya inihiru wawo droit du sol. Yani sharia ya irongo wao amba mtu wadzola Faransa, baisha wadzali wahi wageni bea mupara mahakumi na taru atujua rengi rangia ya shfaransa. Hatu hunu senator Tani atovenza amba mwanamta adzola na wageni ya kulazimwani amba moja baina mayahi au babahi akina karti ya sujuru rango mezi miraru na ya kulazimu tena amba asuishi maure panza la mezi miraru bila upashia. Zini pia ilazimwani zihangihwe harumu extrait de naissance ya mwanamta. Nekati namna yo yobalihi mahakumi na minane mwanamta unu katojua apare uraia wa shfaranta. Bei rangu mwezi mwati wa marsi ya taleu rahazi la miri ya mbali na mbali kawasurumia sharia ini manaraha kawapara iruhusa ya lawa harumu nyumba ya mahakama. Mwaha 2018 vuhangilwa wanata 6000 wastamia wa 50 harumwa ilamiri ya mumushu. Zangina za husu makartasi harmosha shira na mezi milaru na mneo zivoti za libara la Europa zo soti wanzi. Yani uraisi wa idawala ya Fransa bana Emmanuel Macron apalia vano isuku ya zuzi ya tekeleza mbaya tsobenza watu waja watu waliaba sabasa ini hiro espace Schengen sti za Faransa za bonze zuka za husu ya na tongo nordezini julao senatoru wa shimaori mwana tani Mohamed Solihi abenzelea arungu mbazini zilazimu zgao hivu mana unu utoka ushaba vano
wawekomba do parauzi shejuru maurehunu wapare ushaba wande harimu ati zangina harimu alibara la Europa bila shaka ini tongo ituko ambayo tuthukuri wa munu babu. Haumara ingina adezi habari za husu ya jali ya pare ni ya tungishamba wana Jean-Paul Tozini ya ndembele za mungu unu tuabibu harimu ilaptalibu liashimaore imumuju ikamba wai afariki dunia baanda akodza harimu ajali ni ya vira pare ni upande wa kibulani upande wa majika abo koropa watrakti ya shama ya insa polisi ikamba liwa tekeleza siku hiyo kama jalini ya vira hau kingia wajuru wawe kwamba doa kufanya hazi vanu wasunani zamba mbio na mbio hau ingi dezaka vanu kabla ya wakamba jalini ifanshie haunani zaika ni mfumota no ile ya vira ikasehanda asubuhi wakati kwamba watu wanu wakufanya zihazao pareni mapolisi wanu karibu na ilise dunoro mapolisi wao banda ikomba wao wakavanu washindi wawono garilini likomba lo walizi amba kota walitunde be mwenye wawono mba wae atala. Yamula babu wakabili uvande wa majikabo banda ikomba shukiza mtu ikomba wakapashia na wae karibu na liduka la lasini mapolisi wale wale wawono mba wae wale akota azia wendu tamuka karibu arimembio tene raha alawa tungu ikomba zo tungi shamwisoni ajalini ijiri. Washadidisha wanu mapolisi isha maini ikomba de wakiliambeli traktini ya tekelezi wa mbali garlini la lungwa banu la kufanya namna mba ikemba reli suzia beka lazia washindu atanaba himba lula wa mbio mambio tena raha hautalata ya jalini iyo ifaisha tungu ikomba iyo ijanziro bwana Jean-Paul Tozini ya kanama sitini inamilisu mnanizani ya fariki dunia bandaika kumba waya kaa kuzu wajitiadi kama wakatunu watu waili wao wankamo rungo wa mihononi na madhamana rangu mwezi mati wa marti wahandra waya afanyua inihiroo miza nexame mihononuho waziiwa shao harmamunda wavili wae alishua mba wae ashuhudia tongozini na mnazabira bia sudungwa mitu mitamisa washa utunduzi mwora haa kawazia. Sungi harumwa ikanu ni ya husu ziasera za mazimamuru harumwa ishisiwa ya shimaru hususwani wanuafanyo hazi upande wa kawini na zasungisha deilaporu ya tekeleziwa nyumeni na udhomanao ya husu maendeleo ya zihazi zao wasona mbapatungu nyingi sikuwa mbazo kasenda hauzuri na zuka za dhukuru wa mulibanu mfano masharuti majiru ya hazi na zizombo sikuwa mba wazurumi ya mbazo kasudunga zi sharia na mnazalazimu isuku ya ya huwa wa mfumota na urso zwa rongwe wa muna no kwamba de waka wafanyua ikwamba watu wako jodhukuru na mnanjeja wa na mnanjeja watu watu kabili ilaporeni harumu wa suku za kabili mwao manja wa habili kama mba ukirikamba watu shuka mabareni ni kama muna na watayarishi wa mwezi 15 wa marsi woka watu wa mavuna watu benzili ya liwa ya pare umuja na madhoma na walijumba la conseil departemental bwana Ahmed Alawi Abdul Karim unu wa emzi mamoro indi hazi hai na wende ura isi washa uwe shama ya madhali ya no SNPPT PATS 976 sasujibu masuala ya Jamila Swadiki. Bukula shefu watu alfanya ya hungalia ya iservisi heli ya liu heli enrao rangu zozavira hali uu tali uvani na waya atahawa ajazifanyi. Harina shtu zwa ataha ajazifanyi wasi kafuta shtu moja ionesedzao mba mapompi wa maori wana ya maarifa ya hazi wazifanyao. Kafuta shtu ionesedzao mba harina ya maarifa ya hazi wazifanyao na shtu zo pia harina hazi rizifanyao formasyon zatu pia zo ufanyishiha nordeli zifanyishiao faransa noho wengi nhazo wa mapompi wanya tu la Faransa odo ajur fanyisa uzo donc waye kavuta shitu moja hiyo ai etia mbeli andaone sedae wa mazefu ya truma elu amosa raha waya fanya shitia hiyo tu mona biro ya he amosa vo diving directement andanae ma elu vo de lera yo ajur ne sedae wala wasi kara hadisi huno behar na hizo mwe delilio mbar wasir suo namba waya asurlihiza kasna maste hina wasi na wae neka hau juo hudevo wa siraleo tinunu. Isa rahashtu za turista hao mbade za leo muhimu na wasi na maisha hatu ya leovani. Kaziki zambeli na wasi rumambi yazo, lirardisa rumambi yazo. Kaziki zambeli maelu watu wa juo mba leo mapompie watahashtu kada pare wa kefete hazin hao. Mzutu wangina li watu hazi wa sojia na SMA hui kamba wa mazawa tahadhali shaka mwe mba ula langofu moraru ya kabili ukirikamba otozia zihazi wa sosifangi na mlaanza lazimu hali jila vutu wa na ishama ya madailianu ya CFDT armu ya shisiwa ya shimaori.
Najma Mahmoud, une des patineuses artistiques, Ramungalia sura ya he Najma Mahmudu fana na mwanamta mtiti baisha ana mahashirini. Unu mwanahirimu wa shimtapere na waye akamarane kunge wa shifaranta ya inihiru wa upatinaj artistiki. Ini mahakumi na saba rangu Najma adawi ya mauri basa srongo amba afurahi kweli sahe na heli akulahikyo hunu. Patinage artistique lini dangazo la uzina na uzinga didiwara harmwa la glasi. Rangu titinhahe Najma asilingaza asirambia amba wakati akamwanamta waye akana taharaki swafi bea mungi ya harmwa patinwar taharaki yahe ya kukuma. Akana mahasaba wakati shama ya dagula ansi wa mtahua waye na wajimazahe wakukiti Marseille wakatuu. Wakana uhara be shama ya ansi yodish Mabuli ya shifaranta harmo patinaj artistiki basi waku kiti ansi pare adungi langazo di mjivi yao. Be ansi woho kayakatena adangazo be hazi ya kusudi wakati wahe pia waku vita harmo patinaji na likuli. Alakine srongo amba akure mambio tu wakati wo be haheju yo de maisha ya mfanya hazi ya sporu ya ushu. Lewini Najma Mahmudu anaanzo zimuja tu de wendra harmo juzulempi. Zama alfumbili wa shirinane. Sport na malangazo ya handball ya tayarishwa Faransa mwezi wa Mei wa kabili ukirikamba mawakala wa shimori wa tuzwa rangifungu wanata watu mama alo na ushashara na makumi inamine. Ushabaha julao wa shinde wa shindane na wajuru wa wangina washa u harma sporu nordeni bele weni mtayarishu wao una ujiro mwanapapi wakati kwa amba isirongoleshia amba zimarke zina ujiro mwanapapi harma wabandu wa mtayarumishu wa iliki ya shimaore. Jamila Sodiki. Wanahirimu wana mahakumi nane ushuka watu washe wa ujuma antreni maharma ya jimnazi ya Kavani unumfumo wa kuladimu wa uvite wa moja ile pare wa julane beta shawushi la ligi yoka isina marke Ahmed Abdou seleksioneri wa interkomite ya watu washe. Ina mahamiraru trongo de wizo wizo lalera raistar prepare kelege ishitu la ligi wa sarambia mano kartuzo raifanya mana kavu marke no kartuzo wa sarambia rafanya programu yatu raifanya programu dernier seconde irso mnamba no kamtuzo mafanya shtuyo mana kavu marke tamisha wasi mateknisien mapara deja kama mfumono wani wasiriki ya mwastage ferme ariki ensemble lale ensemble rentraine ensemble radis ensemble ngadi ensemble basi deo na hika wanatanu washinde wahudhuria vani inu tasababu ijitihadi ya ujamaa wao na mapara oblige waodu wabingi wanao wajabele vani wabe shahula arsi demande basi aruli ya la ligi tini ya ma seleksyon mana hawa ujua rungwa mba pia tungu ya tupata na seleksyon yu ya la ligi na Ahmed Abdou waye asenda na upuabari kama tukata rungwa mamuhanu tsakoregia hasababu kama letungu zavira wakati silazimu mkini mvumwe na fami yangu usurungwa mba no inde shtu ntushinao nifanye parini yati yangu donku juku nsididone de oreturu de yu amba uspara amba kavu rekonesansi toka yonti mahaoju zidemere debe difason tuja basi kwedi initungu esikitisha o vandre ya wantuashi wani ikawamba mtuwasu namba uwana jitihadi esa wana huba na ujuzi na espori ya handbali utajeri leo waspara msaanda wa ujama wawo uvandre wa laligi kavuasi taja wabu itoka yonti lala wani raisi wayo asorongo amba leo tambu za marke izo za bole kweli zile kawashinda wafanya trongo itoka yonti rasio na hamara yangi na leo wanahirimu wa maore maesha ya meso ya ishisiwa doa parao na stambu zini Rimushani maraba langumalukisha jitiati Maraba mwana saindurtu para natina saya handra ardungi li gazeta luhayash faranta na saya handra na dakika 30 irdungi li gazeta luhayash maore. La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, istawi. La revue de presse locale. Et il est 6h43 sur Mayotte. La première, c'est l'heure de retrouver la revue de presse locale avec vous, Chafanti Alibako. Bonjour. Bonjour, Youmna.
On démarre donc cette revue de presse avec le département qui recherche désespérément sa première vice-présidente. Mais où est donc passée Fatima Soufou ? C'est la question qui est posée ce matin en une du journal Flash Info. La vice-présidente du conseil départemental aurait complètement disparu depuis 9 mois, selon Bichara Buhari Payette. La conseillère départementale de Dembéni réclame des explications via un courrier au président du département. Pour percer ce mystère, le journal a dû contacter le directeur de cabinet de Swabahadine Ibrahim Ramadani. Ce dernier affirme qu'elle est en arrêt maladie. En septembre dernier déjà, Fatima Soufou avait décidé de démissionner de son poste de conseillère municipale de sa commune, Dzaoudi l'Abattoir. Flash Info nous précise que peu avant, elle aurait fait part de sa volonté de conserver son mandat au maire de Dzaoudi l'Abattoir pendant son absence. Or, ce dernier lui aurait signifié que cette demande était illégale. Et Chafon, la lettre de Bichara Buhari Payette, mais le journal de Mayotte et les Nouvelles en parlent également. Oui, et plus en détail, il faut dire que l'élu, comme à son habitude, a un paquet de choses à dénoncer. D'abord, les décisions du président du département qu'elle juge hasardeuses. Bichara Buhari Payette reproche l'éviction de celui qui avait été nommé directeur après la cessation de paiement de septembre 2018. Le nouveau a été nommé sans autorisation ni délibération du conseil départemental. Peut-on lire dans le journal de Mayotte, la conseillère départementale d'insister sur le manque de transparence de la majorité. Bichara Buhari Payette en a clairement après le président de l'exécutif qu'elle accuse de prendre des décisions tout seul. Elle cite notamment le somptueux hôtel particulier acheté et destiné à abriter la maison de Mayotte, coût total de l'investissement 12 millions d'euros, mais aussi la SPL 976 que Swabahadine Ibrahim Ramadani a décidé de réactiver en nommant lui-même la nouvelle présidente qui de facto sera aussi la directrice générale. Et ça, c'est les Nouvelles de Mayotte qui nous le dit. Et puis, un conseil aujourd'hui, sortez vos parapluies, le temps va se gâter. Une cyclogénèse au Mozambique pourrait arroser Mayotte, lit-on dans le journal de Mayotte. Le journal a fait un point avec Laurent Floch de Météo France. Si jusqu'ici, on craignait que les pluies ne soient trop concentrées sur une courte période, jusqu'en décembre, on était en dessous de la normale, a constaté Laurent Floch. Là, les nouvelles sont rassurantes. Le scénario catastrophe de 2016 semble en effet loin derrière nous. Le passage orageux de ce mercredi fait partie de ces épisodes qui tirent la pluviométrie vers le haut. Un autre passage est prévu ce jeudi et la météo s'annonce humide jusque lundi au moins. On aura plus de précipitations que la normale avec 20 à 30 mm de plus, soit 50% de plus que la normale, a précisé le délégué départemental Météo France. Et puis depuis ce matin, on en parle dans nos éditions, c'est la colère des pompiers qui est présente également dans tous les journaux. Les pompiers tous vont debout contre le rapport d'observation rédigée par le directeur du SDIS. Le journal de Mayotte relate l'incompréhension sur place des pompiers puisqu'ils étaient rassemblés hier. Il y dénonce un manque de compétences, de technicité et l'a d'abord présenté aux élus du département pour ensuite nous en parler. Vous sentez bien là l'incompréhension qui régnait donc hier. Nous n'avons pas été associés au projet. Les pompiers qui dénoncent également un manque de moyens humains et matériels. Du côté des Nouvelles de Mayotte, on est plutôt positif. La grogne des pompiers pourrait se terminer grâce à des négociations, nous dit-on. Pour cela, faudrait-il qu'elles aient lieu. Et pour terminer, la nouvelle panne d'avion d'Air Austral qui est aussi décortiquée dans la presse ce matin, puisque le Dreamliner B787 qui devait acheminer les voyageurs de Mayotte vers Paris a été immobilisé à Paris hier soir, nous a informé la compagnie. Donc les difficultés continuent pour Air Austral. Nous y reviendrons plus en détail avec Denis Herman, rédacteur en chef de Les Nouvelles de Mayotte. Merci beaucoup Chafanti Alibako. Effectivement, on vous retrouve un petit peu plus tard pour l'actualité nationale, internationale, l'actualité régionale également, sans oublier le supplément. Merci donc de votre fidélité. Tout de suite, voici le journal des auditeurs.
Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Salam alaikum. Je vais vous dire que vous avez un gazoual. Gazoual, il a un gazoual. Il y 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 a un gazoual. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Et vous pouvez réagir bien sûr sur ce journal des auditeurs au 60-01-01, mais également sur un autre sujet. Vous êtes aussi nombreux ce matin à nous envoyer vos messages concernant la défaite de Paris. Vous êtes en direct, bonjour. Bonjour, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nakutani, umgozi makalwa mtipirama kitirungwa. Alomba gazwali liheya. Na msumia rabuzi humbuzi, mwana pavi rabuzi radio. Nika utushinda. Wasi rashuka, gazwali kala heya. Relezi. Mana wasi karapardu hima vana rumba gazwali la uju liheya. Wasuburi hazi. Amesa wasu hima mbari madhamana madhamana. Karapardu hima tarunga ratu ya laukana rengi mgenge frere. Vaha mwili watu rushuko horungu ambasi shilinzukundu. Rimir de Karahima. Sura gya mana shite kuma hadisi ya kabara ya vera na uzuzi. Sikia wale mba watakula taki mba mgina mwengi hususoni mgona mrima ashkwano uriviru. Neso kweli. Wala sito yitu. Be rikia mba wana senatero watu. Arungwa mba adai sharia ya ukitimawe. Mtuwa kane skutano. Istungane sasa na zozulio faransa na yude ngazi bole wa maru wadai wamba imaore itisa bika ya basha tena amwesa mtuwa shabaki skutano ni katapari bole ala watu wa hale itoto demba uwa hito wabutiti wabushashi watu wa wasitwa habi ta skutano zu kamsana mba zutambo iwa artu para maelizi amwesa mswadirabuzi das normalize bare maore isalvele ranruha watasuga chubu nujoza halu hobanur sanjeje waskara vote tsana kama zamana paso hinari ewa maraba basi vo akabana wasi watoa ya vo fikira wanywaje otena mtujua murire nambari yo de city nikavumoja kavumoja karibu olio bana wasi salam aleikum wa aleikum salam yeje yumna enje makwezi o na kuni mkama baraka na maisha mkama maisha mengi kumbuna na wani wamini shirenza ni utema na urunguzi haruma gazwalindo gazwalindo kalito shuka laukana madama na watu wa hindi mana madama na watu wa suria wambila manika mtani chikizel gazwali basi mtuninga mabagaji yangu niende zangu sasa wa suria urungu wa donc on doit aller sur la moelle toucher ça au cas de voir tati locaux ils sont comme bah watu warongo amba mazamana wahimi warongo amba ranguleo ilazimu imaore riani se harma mabaza ziwaboli wajota oligashi kamba uno arengeo bandre uli arengeo baabo konfiransi ya imungi ya toucher ça bene kaho kalteyo talisina tamo halitoshu kwa umana suku ato himao akamuambia Ibrahima Bakari ambane kauta hanshu kide basi nisunga shu zangu nende zangu ne Ibrahima Bakari ya kasubutu wa rungu watungu suko tumiwa kato wa hili akadepite ofeka isina ta maana itoza witi wala kalituwa tiswa mine amba litoshu kwa ila neka konfiransi inja amba lishwa mashirika yangina yangia babo labda itoshu kwa u Neva no Mazalho, nem Monopoly.
atoja ufarde mwami mba mzene kauta hongie wamile mzao hunu rungade zangu mbe na mneyo kutongia iwa na be babo zadunga babo msumezi tema na nyangu demo mgonsingo ni aja janpare barakani ilano rune mwana kafe na ungalia itefeti aja na mwedele ya shindwa na mina hijidi wazu safi mana wanakamu mamoja aliwe panya wazi mmoja lano asunami ya kama meata aneza ena ufumbu wata ena amba wa shindwa basi wa shindwa ni aneza ena gwone kakweli iwa siki amba wa mtusofa demisioni ya rumwa masupporte roho basi wami suambi ya amba wasi ni mafundi yao mekaka waja warfara wajarpara droit au but OM ale masye washindwenga wakufanya zaufanya pia na wafunguze mabagaji mengi aliwalona yale maana ale mabagaji mazuri bagaji mengi walona alo wale wako kujaza zungutu markiz bene kakwili wa Saint Trophée ya Ligue des Champions na watowe bagaji mengi le wale warenge mazuri lokamba waura haka wasina experience basi watoka na anzi ya uganye raha na wale waliyo. Iwa. Mana wale waliyo waliyo wali. Wale marke, marke tu ule shikiza marke le sao. Bene kakalite ngina, kawashini renga. Watububuwa tu, tawasiri babo, wale mazawa renge kama Ligue des Champions jana. Ye Ligue des Champions finali yao wako ingaza jana. Donku warenge finali yao jana. Ewa, narlinde basi lira watu paranao na Marseille ni kati liwafite mwezi 17. Mwezi 17 wa mwezi Marseille. Okay. Wasira hashiri kwa gojea. Ewa, okay, waikia basi. Marhaba. Demo korne kafe mwana nyangu sutibalie mwana mroma jo. Atuja. Marhaba basi, ritu parana tena. Lira yangina kamgwa venzi maraba wanyoja utena humlio vanna wasiri. Sumba ni mungu, rabuzi sumiani irvunguze iradio pare shindiri hadisi vmoja. Karibu. Salamu alaikum imna. Wa alaikum salam. Wamisu ngeza mnya ungule ala tajiva lamba gazole lahali wasi taksivani ridida ito. Amba karibirayo shuke maore donku sumi ya kakila taksimanejo kama naoto ngunashtio na maore. Rono tungu na shtio jeje riparane ri hadisi taramone prefe wabu na madoma na wamaure istashkuzo shinde shike makul sae gazwali laha lise sae yamana wasifanya ple ya 60 euro ya 70 euro usue ya maori sada to moshka mamudu usparamba wabosina na demi reservari tajwala moso usparamba wabu gazwali laha luko more setika avu marki wa ipara pe sunu itia gazwali kweli maure shtu za halile manata wasitaksi vaniru wanao na kuza hali zo maore amba shuke anyatwa saleo kwa suzo nazo bimbio zao taksihe donku kweli wa watongo bole sesa e maore kulazuma mbarizuwa nebe side uheja taksio donku watu wa japarane tari hadisi raone madomanatu ichoshuka kamu zungwa vinti gazwa lilo na yeswa kamu wa vinti Riki ya basavo marahaba nikarele wa huzuri okay. Kila mtu alo mutaja tujwa kamu wa jajamu hire ni uo taksiva ni Rusuringa na wangina tena aliovani na wasi karibu. Bonjour et bienvenue sur la première. On vous écoute. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Baba ngursu vuliki ya basi. Rongwamba, wami rongwa jao. Amba kila wa jao babu wasjoania limshahara yao. Yeye. Bado alivuwa 3 miliero na kati miliero na 5 miliero waadela watu wakuwani ya ima ori wapare departima kamlishi watu wawo wahima pagi wani ya mabakoku wanu na mahoku watu waparamwana shaula wajabati 3 miliero yuti marike tafadhali hunu la rinyo huna Faransa waumana wala wafanya wezo debu wama waswani hatu wabulu wa urabuzi ata waparema na shahula waje haki ya mungu tuwa sahero ya bakoku yoshindro lela mtu bekila wa muhima wasanya de za utu za utu ni wasani yao na wasurenga na matini wawani yao kina useni balahashu wao yazi otini wa wanietu wa, 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 wa parao
ambasandika kawalishi wani ya washi wa mabako kuna mahoku wapa na shaulawa ya maduanyu kamwe mwani ya wamba mpare nyeji mabako kwa kamshindu wangalia na mahoku wanyu na himeru wani ya batihunma na walibwone usairo na milero debu waluamba wasuaniwa na wana waduani yao tawaparao mariki nyeji batu wa wasmaoreo huu wasuani ya dizetu tu iwa Irikia babatu. Tafadhali muhime wa maore. Mgani mabaku kona mabatu hode wa niye maore. Nte ya jaja departe. Mamosu ngamize mabaku kwa musurangamize. Wasirilio unwa sirtarje zatu. Badira mosho hode saero kashinri lela. Saero tuturwa saero kashinri lela. Na muraniye wa jori pare pare jetatu. Hatu unuchi hatu. Yeah. Unuchi hatu. Wamine kamba mariki ya bako kwa iheya seti saero. Wamine soja zangu nlawe hunu. Seti saero tu soja zangu nlawe hunu. Bede saero na tuwa saero. Maore maisha ya maore ya mahali. Hali. Nasio muatumaji babatu msifikira mba waikia. Babo marahaba avu ajarpara subu ya leo tina warnani. Zatungu nurde yu tungu muhimu. Marahaba. Tafadhali. Wambi ya watu wao. Wani yao mishara. Waikia. Mwajale hee mishara yao. Mina na warangalie wa jaurabuzi. Na hani mwanapa viru. Ana warangalie. Okay. Ibo wanie zao. Marahaba zao, basi babatu. Kena siku soto shao. Mana kakurangalia. Marahaba. Watu suwa parema. Ewa. Rikia basi marahaba babatu vavu. Wamleshia hamisi den rongola rinyo. Ok. Risu bushuri ya subu ya hairi, rimye mungu tena trungo za retreti zupia. Nazangina shindezi rengele. Merci donc de votre fidélité. Il est 7h. Les titres avec vous, Chafanti Ali Bakou. Bonjour Youmna, bonjour à tous. À la une, cette question, l'amendement du sénateur Tani Mohamed Swalihi sur la limitation du droit du sol à Mayotte, entré en vigueur ce mois de mars, est-il mis en œuvre et de quelle manière? Kalatoumi Abdil Hadi a enquêté. La colère gronde chez les pompiers, ils dénoncent des conditions difficiles et un mépris de leur directeur. Et puis nous découvrirons le portrait d'une autre femme incroyable, elle est quadruple championne de France de patinage artistique, elle s'appelle Najma Mahamoud et elle est mahoraise. Voilà pour les titres, dans le reste du programme, Naila Natoumani Atibou, secrétaire générale de la Fédération mahoraise des associations de l'environnement, et l'invité de Zakweli ce jeudi. Israël Saïd Kombo nous parlera de l'émancipation de la femme, mais pas n'importe laquelle, la mahoraise. Le supplément aujourd'hui, c'est Denis Herman, rédacteur en chef du journal Les Nouvelles de Mayotte, qui sera avec nous. Officiellement, depuis le 1er mars dernier, l'amendement du sénateur Tani Mohamed Swalihi sur la loi Asile et Immigration est entré en vigueur. Mais sur le terrain, qu'en est-il? Est-ce que sur les actes de naissance des enfants nés de parents étrangers depuis le 1er mars est mentionné si l'un des parents de l'enfant est bien présent depuis plus de 3 mois et de manière ininterrompue sur le territoire? Rien n'est moins sûr. Des questions en tout cas sur lesquelles Kalatoumi Abdulhadi vient de mener son enquête. Certaines mairies ont oublié ce décret, d'autres attendent le feu vert du tribunal. Pourtant, sur Légifrance, la mention « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2019 » est bien présente. Mais sans les modalités d'application venant du tribunal de grande instance, les officiers d'état civil ne prennent pas d'initiative. Cet amendement avait suscité des vifs émois en France métropolitaine parce qu'il touche au sacro-saint droit du sol. À Mayotte, contrairement au reste du territoire français, il devrait être mentionné sur les actes de naissance des enfants nés de parents étrangers qu'au moins un de ces derniers est en situation régulière sur le territoire français depuis 3 mois au minimum et qu'il a résidé sur l'île de manière ininterrompue. Dans le cas contraire, à sa majorité, l'enfant ne pourrait acquérir la nationalité française. Le décret est entré en vigueur depuis le 1er mars, mais son application n'est donc pas encore effective dans les mairies. En 2018, la mairie de Mamoudzou a enregistré 6 650 naissances.
Et à quelques mois des élections européennes, le président de la République Emmanuel Macron ouvre le débat. Il souhaite remettre à plat l'espace Schengen. Les départements d'outre-mer n'en font pas partie. Et pour le sénateur Tani Mohamed Solihi, il faudrait que cela change, ce qui permettrait aux détenteurs de titres de séjour délivrés à Mayotte, par exemple, de pouvoir circuler partout ailleurs en Europe. L'ouverture de ce débat par le président de la République Emmanuel Macron est donc perçu par le sénateur Tani comme une opportunité. Et on en apprend un peu plus encore ce matin sur l'accident qui a coûté la vie à Jean-Paul Tosigny. Jean-Paul Tosigny, c'est ce chirurgien du centre hospitalier de Mayotte, victime d'un accident de la circulation survenu, souvenez-vous, c'était mercredi dernier sur la route du Nord vers Majkavo. Coropa, un tract syndical de l'INSA Police publié le jour même de l'accident en soutien à leurs collègues intervenant sur les lieux et fortement choqué, fait référence à une course-poursuite entre la police et le véhicule incriminé en direct de la voilà. Ce mercredi à 7h, alors qu'il se trouve en contrôle routier à hauteur du lycée du Nord à Mamoudzou, des policiers de la compagnie départementale d'intervention poursuivent un véhicule qui fait l'objet d'un refus d'obtempérer. La voiture fuit en direction de Majkavo après avoir lâché un de ses occupants à hauteur de la SNI. Les fonctionnaires avisent leur station directrice des faits ainsi que la progression du véhicule en fuite. Cette dernière leur demande de cesser la poursuite. Dans le même temps, précise le syndicat dans ce tract, le véhicule poursuivi fait mime de se rabattre sur le côté pour stationner. Mais les policiers qui s'apprêtent à procéder au contrôle constatent que ce dernier se déporte tout à coup sur la voie de gauche et percute de plein fouet le conducteur d'une moto qui arrivait face à lui. Jean-Paul Tosigny, 62 ans, décédera des suites de ses blessures. L'enquête a permis à ce jour l'interpellation de deux personnes qui ont été présentées au juge d'instruction vendredi dernier. La première a été mise en examen et placée en détention provisoire. La seconde a été placée sous le statut de témoin assisté. L'enquête se poursuit. Le syndicat UNSA Police, auteur du tract de soutien à leurs collègues fonctionnaires de police intervenant ce jour-là, souligne également le professionnalisme dont ont fait preuve, je cite, leurs collègues qui n'ont pas démérité le temps de leur intervention, eux qui ont su garder leur sang-froid jusqu'à l'arrivée des secours. Et puis la grogne qui bouillonne chez les sapeurs-pompiers de Kaweni à l'origine du mécontentement, un rapport du nouveau directeur sur le fonctionnement du service. De nombreux dysfonctionnements dénoncés par les agents, notamment l'état du matériel ou des locaux, aucune reconnaissance du travail et des compétences du personnel à en croire les intéressés. Une réunion s'est tenue ce mercredi à Mamoudzou pour discuter de la suite à donner à ce rapport qui ne tiendrait pas compte de leurs doléances. Un débrayage n'est pas exclu en cas d'échec des négociations prévues avec le conseil départemental le 13 mars prochain. Ahmed Alaoui Abdulkarim, sapeur-pompier professionnel et président du SNPPT PATS 976 au micro de Djamila Sodiki. L'objectif de la réunion, c'est déjà de se mettre d'accord de ce que nous allons mettre en place dans les prochains jours à venir, dans les prochains mois à venir. Tout directeur qui arrive dans un service, il doit faire un rapport d'observation et on ne se retrouve pas valorisé dans ce rapport par rapport au travail que nous faisons, par rapport à notre type d'activité spécifique que les pompiers maoris y font et surtout qu'ils ne prennent pas en compte les revendications qui sont prioritaires pour le personnel. Pour le moment, par rapport à la réunion, justement, on était là pour discuter et de savoir qu'est-ce que nous allons mettre en place. Pour le moment, on parle d'une journée de débrayage qui va se mettre en place par rapport à la réunion qui va y avoir avec la direction, avec les élus, les représentants du personnel, le 13. Donc, par rapport à cette réunion, nous allons savoir s'il a pris acte de notre mécontentement, s'il a pris acte de nos remontées qu'on lui a fait. Malheureusement, si elle n'a pas tenu compte, eh bien, on mettra en place une journée de mobilisation, de débrayage, mais on ne va pas s'arrêter là. Autre mouvement social déjà annoncé par préavis de grève déposé pour lundi prochain à la SOGEA et à la SMAE, une grève à l'appel de la CFDT Mayotte. Najma Mahmoud, la première patineuse artistique maoraise de retour dans son île natale, la jeune femme a quitté l'île depuis l'âge de
3 ans. Elle en a 20 aujourd'hui. Elle revient sur la terre de ses racines avec le titre de quadruple championne de France en patinage artistique. Le temps de ses vacances en famille, elle découvre également l'enthousiasme des Maorés à son égard. Kalatoumi Abdeliadi. Avec ses yeux clairs et ses longs cils, Najma Mahmoud garde un air enfantin. C'est à Mtsapéré, terre d'origine de sa mère, que nous avons rencontré la quadruple championne de France de patinage artistique, fière de l'accueil reçu. Ça fait plaisir de voir que malgré que je sois à Métropole, que la ville natale de ma mère me suit quand même. Ça fait beaucoup plaisir de voir que Mayotte me soutient quand même, même s'il ne me connaît pas tous, mais la plupart en tout cas. La patinoire, c'est le terrain d'épanouissement de l'enfant turbulente qu'elle était. Puis le patinage, ça m'a calmé direct en fait. Je me suis épanouie dedans. Et c'est justement enfant qu'elle a été repérée par le club d'Annecy, le meilleur club de France. Najma Mahmoud avait 7 ans et après hésitation, sa famille déménage de Marseille pour Annecy. C'est ainsi que commence sa carrière. Ah, j'ai eu cette période de courir tout le temps. Vraiment courir tout le temps entre le patin, l'école, le patin, l'école. Et en vrai, c'est ça une journée d'une sportive en fait. C'est l'école avant tout et le sport avec. Et moi, c'est ce qu'ils m'ont apporté à Annecy et ce qui fait qu'ils m'ont ouvert beaucoup. C'est grâce à eux que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Compétitrice dans l'âme, âgée de 20 ans, la quadruple championne de France vise les Jeux Olympiques d'hiver de 2024. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Mona Saïndou. Il est 7h10 sur Mayotte, la première, et c'est l'heure de retrouver l'actualité nationale et internationale qui commence au Venezuela. Oui, son régime soumis à la pression de la communauté internationale en faveur de l'opposition, Juan Guaido. Nicolas Maduro a contre-attaqué hier en expulsant l'ambassadeur d'Allemagne à Caracas pour ingérence. 10 ans après sa mort, Michael Jackson est à nouveau ciblé par des accusations de pédophilie. Le documentaire Leaving Neverland, diffusé sur la chaîne américaine HBO, accable le chanteur. Les membres de l'Union européenne ont enterré hier une liste noire contre le blanchiment de capitaux qui incluait l'Arabie Saoudite après des pressions de Washington et de Riyad, une décision fustigée par l'ONG Transparency International. L'ONU a réclamé à la France une enquête approfondie sur les violences policières qui se sont produites pendant les manifestations des Gilets jaunes. Un incendie violent s'est déclaré en Ardèche, attisé par des vents violents. Plus d'une centaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux hier. Pour le Premier ministre Édouard Philippe, il faut baisser les impôts en France. Je pense que ce serait assez sain, a même indiqué le Premier ministre ce mercredi. Et enfin, le Paris Saint-Germain est éliminé de la Ligue des Champions, battu par Manchester United après un pénalty. 1-3, c'est le score. Et retour dans la région pour l'actualité régionale. On débute à la Grande Île. Elle était très attendue à Madagascar et elle est beaucoup moins catastrophique que prévu. On va plutôt commencer par les Comores. Youmna, on vient de réceptionner 7 groupes électrogènes qui vont venir renforcer les capacités de production de la Sonelec, la Société Nationale de l'Électricité des Comores, qui devrait pouvoir assurer une meilleure fourniture de l'électricité. Il faut savoir que ces dernières années, par manque d'entretien, la centrale d'Itsambouni à Moroni a connu d'énormes difficultés. Certains habitants pouvaient passer des jours, voire des semaines entières dans le noir. Avec 4 groupes, elle se dotera désormais d'une puissance de 14 mégawatts. Les 3 autres groupes seront acheminés ce jeudi à Anjouan. L'opération est financée par le fonds Abu Dhabi. Mais on peut y voir là une belle opération de communication pour Azali Assoumani avec en vue des élections présidentielles, car n'oublions pas qu'il s'était présenté lors de la précédente élection comme le père de la lumière. Et en parlant d'élections présidentielles, le candidat Mahmoud Hamada a fait une arrivée très remarquée hier à Moroni. Le cortège venu l'accueillir faisait plusieurs kilomètres.
peu auraient parié sur l'ancien avocat d'Ahmed Abdallah Sambi pour prendre la place de challenger dans ces élections. Mais force est de constater que l'homme prend de plus en plus de place dans le paysage politique. En Grande-Comore, mesurer la popularité d'un candidat se fait en évaluant sa capacité à remplir la très connue place Ajao. Et force est de constater qu'il a passé le test hier, puisque celle-ci était noire de monde pour son meeting. Affaire à suivre. Et puis une délégation de policiers sri-lankais spécialisés dans la lutte anti-drogue est actuellement aux Seychelles pour une enquête. Enquête sur la provenance de 231 kilos de drogue saisis dans leur pays fin décembre 2018, valant près de 90 millions d'euros. Cette drogue proviendrait du Pakistan et aurait transité par les Seychelles, où elle aurait été stockée sur l'une des multiples îles inhabitées de l'archipel dans l'attente d'être réexpédiée vers le Sri Lanka. Les Seychelles sont comme la Réunion confrontés à une arrivée de migrants sri-lankais. Ainsi, donc, on assisterait à un trafic de migrants dans le sens Sri Lanka-Seychelles et à un trafic de drogue dans l'autre sens, des Seychelles vers le Sri Lanka. Et puis, nous finissons à la Réunion. Justement, deux femmes sont condamnées pour une affaire de drogue. Deux femmes âgées de 22 et 20 ans qui ont été interceptées samedi dernier à l'aéroport de Gilo avec près de 15 kilos de résine de cannabis et 6 000 cachets d'ecstasy dans leur valise. On en parlait encore avant-hier. Ces deux jeunes femmes au casier judiciaire vierge venaient de Marseille. Elles n'ont pas pris conscience de la gravité des faits, selon leur avocat. Elles écopent de 3 ans de prison avec mandat de dépôt, ont interdiction d'entrer sur le territoire réunionnais pendant 5 ans et elles doivent aussi payer une amende de 142 000 euros. Merci Chafanti pour l'actualité régionale. Direction Mamoudzou, on retrouve Andrira Kotondavola. Zakwedi, Andrira Kotondavola. Bonjour Andri. Bonjour Yumna, bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous ce matin avec nous dans Zakwedi. Nailan Toumani Atibou, il est secrétaire général de la FMAE, la Fédération mahoraise des associations environnementales. Bonjour Nailan et merci d'être avec nous donc ce matin. Bonjour Andy, bonjour à tous les auditeurs de Maître la Première qui nous écoutent en ce moment. Alors le 22 mars prochain, nous célébrons comme partout dans le monde la Journée internationale de l'eau. Dans quel contexte est-ce que on va célébrer cette journée ici à Mayotte? Cette journée, en fait, on va la célébrer d'abord dans un contexte international qui est celle du réchauffement climatique, auquel Mayotte n'y échappe pas. On est sur un contexte insulaire, une démographie galopante, avec une augmentation exponentielle de la population. Ce qui suppose aussi cette augmentation de la population, on le constate avec des installations un peu partout sur le milieu naturel. Donc on défriche pour s'installer, on défriche pour habiter, on défriche pour cultiver. Et tout ce monde-là, il va falloir leur donner aussi à boire. Donc aussi bien d'un côté, le climat se réchauffe, la population augmente. Et en même temps, on continue à détruire les milieux naturels qui nous permettent justement de stocker l'eau et puis de donner de l'eau à boire à la population. En d'autres termes, on est en train de scier la branche auquel nous sommes assis. Alors, on est tout de même loin du contexte de 2016-2017, cette période de sécheresse. Mais on a l'impression que vous dites malgré tout « attention ». Ce n'est pas parce qu'on a de la pluie en ce moment que la problématique de l'eau n'existe pas à Mayotte. Il faut être très vigilant parce que pour l'instant, on n'y est pas. Mais tout le monde l'a constaté, cette année, il n'a pas beaucoup plu. On a une saison de pluie très particulière. Les retenues ne sont pas complètement remplies. Celle de Dzoumogné, ça va, on est aux alentours de 90%. Mais celui de Combani, on est aux alentours de 62-63%, pas plus. Ce qui est très juste. Et quand on regarde les prévisions de Météo France aujourd'hui, il nous dit justement qu'on risque d'avoir de moins en moins de pluie, notamment dans le centre,
qui est le château d'eau de toute la partie sud de l'île. Donc on n'est pas encore sorti d'affaires et on est confronté aussi à un certain nombre de menaces dans ces environs-là. Il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, à Mayotte, les capacités, on est au niveau maximal des capacités de traitement de l'eau. Aujourd'hui, si on prend la station de Roveni, aujourd'hui, on est à 90% de ses capacités de traitement. Ce qui veut dire tout simplement par là, c'est que les travaux d'entretien sont extrêmement compliqués à assurer. Et comme il n'y a pas les travaux de traitement en fait, de l'usine, on a une usine qui s'use beaucoup plus vite. À retenir aussi que si on devait donner de l'eau à tout le monde aujourd'hui à Mayotte, si tout le monde devait avoir accès à l'eau aujourd'hui à Mayotte, on ne serait pas capable de donner de l'eau potable à tout le monde. Alors, il y a des chiffres, hein, 256 000 habitants officiellement. Il y a une capacité de 3,5 millions de mètres cubes pour les retenues collinaires et seulement 39 000 abonnés sur les réseaux donc, de consommation à Mayotte et une consommation de 210 mètres cubes par an par compteur. Qu'est-ce que vous inspire ces chiffres? Vous en avez un peu parlé, mais là, avec ces chiffres comme ça, comment est-ce que vous les analysez, ces données? Ces données, en fait, d'une part, ils reflètent une certaine réalité qui est encore largement sous-estimée. Hein, parce que là, sur 210 mètres cubes consommés par compteur ici à Mayotte, il faut savoir qu'à métropole, on est aux alentours de 120 mètres cubes. Donc, vous voyez la ratio, on est quasiment au double en fait, de ce qu'on a à métropole, alors que le niveau de confort, il est beaucoup plus important qu'ici à Mayotte. Donc, 210 mètres cubes, ça veut dire tout simplement que 39 000 compteurs sur 250 000 habitants officiels, on parle bien de chiffres officiels et non pas de la réalité de terrain, on est loin du compte. Et ce qui sous-entend aussi derrière tout ça, c'est que là, avec ces 39 000 abonnés à 210 mètres cubes de consommation par an, et si les projets d'ANRU qui sont projetés, là, on a trois projets d'ANRU qui sont projetés, ça veut dire qu'on va augmenter le potentiel de nombre de personnes qui vont avoir accès à l'eau potable. Donc, probablement une explosion de la consommation et donc on risque d'être en difficulté par rapport aux capacités de l'usine, des usines de traitement qu'on a actuellement. Même si on nous parle en fait de livrer prochainement la station de traitement de l'eau salée en petite terre, mais quand on compare en fait les capacités qui vont permettre en fait qui vont augmenter suite à ces usines-là, ils sont minimes par rapport aux besoins. Alors tout ça, ce sont vos inquiétudes. Vous avez été, en tout cas, la FMAE a été très offensif, très offensive lors de la saison sèche de 2017. Vous avez souvent sollicité les autorités sur certains points qui vous semblaient très importants, comme par exemple permettre ou inciter les gens à récolter de l'eau pluvieuse ou à colmater les brèches qu'il y aurait sur les infrastructures de retenue collinaire ou peut-être sur les réseaux. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous avez été entendu sur ces points-là? Par rapport à ça, au moins, en fait, ces actions de la FMAE en ce moment-là, ils ont au moins eu le mérite en fait, de poser le débat sur la table. Mm-hmm. Parce que jusque-là, en fait, soit on n'en parle pas, ou sinon... en tout cas, ce n'était pas une priorité territoriale telle qu'on devait la prendre. Donc, ce travail de sensibilisation qui, pour certains, on dit le mot offensif, mais l'objectif était de sensibiliser tout le monde et qu'on accepte enfin de se voiler la face et de parler de ces problématiques-là. Aujourd'hui, le débat il est sur la table. Il y a eu un certain nombre de mesures sur le plan territorial qui ont été déclinées, notamment le plan en fait, d'urgence là, qui a été signé avec l'AFD, le SIAM
et le ministère des Outre-mer. Donc un certain nombre de choses ont été actées au niveau territorial et au niveau national. Mais après, sur la déclinaison opérationnelle sur le terrain au niveau de la population, les résultats sont encore très timides. Et même au niveau des institutionnels, les choses ne vont pas aussi vite qu'ils ne le devraient. Et ça aussi, c'est assez inquiétant. Mais l'avantage aujourd'hui, tout le monde est ouvert à la discussion. D'où cette journée mondiale de l'eau qu'on appelle de nos voeux, à célébrer justement pour que ça soit l'occasion d'asseoir tout le monde autour de la table pour discuter. Donc c'est cette occasion-là, nous avons invité tout le monde. Et tout le monde est attentif, tout le monde, on espère en tout cas à tous les partenaires avec lesquels on est en discussion actuellement, ils sont assez ouverts. Donc il n'y a plus de tabou comme ce fut le cas avant. Mm-hmm. Aujourd'hui, l'ADL nous soutient dans cette démarche-là. Il fait partie de nos principaux partenaires. Le SIAM, la mairie de Sada, on se souvient de Mme Bamana aussi, hein, qui était montée au créneau parce qu'elle faisait partie des premiers des collectivités concernées par la problématique. Mm-hmm. La SMAE, les communes, les intercommunalités. Donc là, tout le monde est ouvert. Bon, c'est bien, c'est une étape qui est franchie. Maintenant, l'idée, c'est de mettre tout le monde autour d'une table. On va visiter la station de Rovéni le 16 mars. Suite à ça, on va parcourir une partie du parcours en fait, de la rivière de Rovéni pour sensibiliser tout le monde, au moins que tout le monde prenne conscience de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et justement, dans quel état sont ces sources en eau de Mayotte? Vous parlez des rivières, mais il y a aussi les nappes. Sur les résultats des nappes, ça, je ne pourrais pas vous donner des chiffres exacts. Donc, ça serait le SIAM ou éventuellement la DEAL qui ont des chiffres exacts. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où on arrive à une situation où on doit pomper les nappes pour donner de l'eau à boire à la population, ce n'est pas très bon. Mm-hmm. Parce que ça veut dire qu'on est en train d'épuiser sur nos réserves, mm-hmm. ce qui peut avoir en fait des conséquences à long terme. Et surtout, quand on pompe trop les nappes, à un moment, ils ne se remplissent plus. Et puis, ça peut engendrer des soucis. Alors, vous disiez que vous allez parcourir avec tout ce mm-hmm. monde-là les rivières. On sait qu'il y a des problématiques au niveau des rivières. Sensibiliser, ça a été aussi le rôle de la Brigade Nature pendant un certain temps, jusqu'au point d'amener des lavandières, par exemple, devant le tribunal pour aller un peu plus loin sur ces pratiques qui étaient en cause, donc le lavage dans les rivières, par exemple. Est-ce que, franchement, ça peut porter leurs fruits? Quand vous dites que vous allez sensibiliser, c'est pourquoi? C'est juste pour voir, pour observer ce qui se passe où il faudrait prendre des décisions, que les mairies, par exemple, prennent des décisions et un suivi sur ce qui se passe sur leur rivière. Donc là, l'objectif justement de cette journée mondiale de l'eau, c'est d'amener tout le monde sur le terrain. Mmh. On va voir ce qui se passe concrètement sur le terrain. On ne reste plus dans le bureau à entendre ou à supposer, à faire des théories de ce qui se passe. Mmh. On va visiter un certain nombre de points chauds, des choses qui vont bien, des choses qui ne vont pas. Suite à ça, on aura la grande journée du 23 mars à Sada. Donc la mairie de Sada qui a bien voulu nous accueillir pour organiser cette journée-là. Et là, l'idée, c'est à partir des informations, du même niveau d'information que tout le monde aura relevé sur le terrain le 16 mars. D'ailleurs, on invite tout le monde à venir, que ce soit des institutionnels ou la population. Donc le 23, on aura des stands qui vont exposer les problématiques. Mais on aura aussi surtout une table ronde pour réfléchir, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est allé voir, oui, c'est bien, mais réfléchissons ensemble, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble concrètement sur le terrain? Après cette journée du 23 mars, il y aura une autre rendez-vous le 10 avril sur tous les engagements des uns des autres par rapport à leurs responsabilités. C'est de signer une convention, chacun s'engage
sur une action autour de cette rivière d'Ouroveni qui doit aussi, je vous rappelle, accueillir la troisième retenue collinaire de Mayotte. Donc là, on n'est plus sur des projections, on discute, mais on passe aussi sur de l'engagement concret. C'est ce qu'on attend surtout de cette journée-là. Et on invite tous nos partenaires à venir avec des propositions. Il ne s'agit plus de se montrer du doigt. On se met autour de la table, on réfléchit ensemble comment on résout les problèmes de ravitaillement en eau potable à la population de Mayotte. Par la suite, les enseignements qui seront retirés de cette action-là, ils seront échelonnés au niveau territorial. Il ne s'agit plus, donc ça sera juste une expérimentation ce jour-là. Mais l'idée ensuite, c'est d'étendre en fait ces mesures qui vont être prises. Et surtout, il s'agit aussi de saisir l'opportunité, parce que là, il y a les intercos qui sont en train de se mettre en place. Ils sont en train de décliner un certain nombre de programmes, notamment la GEMAPI, donc, qui est la gestion des milieux aquatiques, mais aussi, en fait, la mise en place des PLU, donc au PLU intercommunal. Et là, on va on doit demander à la DEAL qu'il s'emploie à accompagner la population, les institutions notamment, à décliner les autres mesures qui permettraient de protéger les autres espaces qui sont en dehors des massifs forestiers. Parce que jusque-là, on s'est appuyé sur le code forestier, mais le code forestier n'est pas adapté à Mayotte. Enfin, il n'est pas uniquement, enfin, adapté à toute la situation de Mayotte. Et il est adapté aux zones protégées. Et là aussi, on a vu les limites, puisqu'on voit régulièrement les services gestionnaires qui font des opérations de destruction de cultures. C'est dommage, parce que ça veut dire que si on détruit des cultures, ça veut dire que les cultures, ils ont poussé à la place des forêts. Mais on voit en dehors des milieux forestiers, tout le moindre recoin des espaces boisés, ils sont cultivés, on construit, on fait n'importe quoi dessus. Alors qu'il y a des mesures au niveau du code de l'urbanisme qui permettraient justement d'accompagner, d'avoir en fait des mesures de protection de ces espaces. Donc c'est ce qu'on attend. Donc la déclinaison de ces autres mesures, donc du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, les espaces naturels sensibles, tout cet arsenal, on demande qu'enfin on le décline. Merci beaucoup donc à vous, Naïla Natoumani, d'avoir été l'invité de Zakuli ce matin. Retenez ces dates, 16 mars, 23 mars et 10 avril. L'occasion donc de parler de l'eau hein, à travers cette journée internationale de l'eau du 22 mars prochain. L'occasion peut-être également de parler du prix de l'eau et de sa qualité, puisque là, il s'agit vraiment de parler entièrement de l'eau. Merci donc de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée à vous également, Andri. On se retrouve dès demain pour un autre invité dans Zakweli. Spungal Gazette, vous m'avez dit que vous avez 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 dit que migration au vous avez dit que mwezi mwati wa mars que vous avez dit que vous avez dit que Washimaore Bwanatani Mohamed Swali eba vano tongozo subira jeje harimu wa mzaliu ya wana kamba wazade wao wajeni walazimu wa Washimaore ushashi mezi mila rubanda para makartasi yao orto para aljawabu umojana kala tumi Abdeli Hadi mbelimbeli wapo mazima moro maore wa suditeri shao venua mautungu yao maazini masharti majiro ya hazi na tongo njiro skambade wazi yeshio zizombu wazurumi yao kasujibu ya matarajio ya lazimu leweni hasira zao zia sababu ya laporo ya tekelezio nyumeni na udhoma na yao na ni kama hadisi ya tiwanziani mwezi 15 wa marsi kato wa mavuna wa habili kamwe amba watoshuka ama vareni. Haushiras mirangu mwezi mwati wa mars de sharia ya azili immigration ya husumdzaliyo ya wanatawa jeni maore ya tuwanziani. Ebe vano tungozini subira jeje utunduzi wakala tumi ya Abdeli Hadi au vingi imbeli izazi ilameri zambali nambali valikomba wanatawa moza wa wangihua harimwa ya mabuku na rimvulishi.
Karimuanzia ya internet liji France madzai suenye saamba sharia ini sorumilwa maure rangu mwezi mwati wa Mars. Behunu wengini mwazilamiri waideda wasalia wasilinda iruhusa ya nyumba ya mahakama ivu warumie sharia ini. Ini sharia ya tahulua na senator Tani baisha faranta oho wengi watu kawakoita hamana istiarabusha sharia msingi ya shfaranta ya inihiruwa droit du sol. Yani sharia ya irongo wao amba mtuwadzolo wa Faransa, baisha wazali wahi wageni bea mupara maha kumi na taru atujua rengi ranya ya Faransa. Hatu hunu senator Tani atuvenza amba mwanamta adzolo na wageni ya kulazimwani amba moja baina mayahi au babahi akina karti ya sujuru rango mezimiraru na yala kulazimu tena amba asuishi maure panza la mezi miraru bila upashia. Zini pia ilazimwani zihangihwe harumwa ekstra de naissance ya mwanamta. Nekati namna yo yobalihi maha kumi na minane mwanamta unu katojua apare uraia wa shfaranta. Be rangu mwezi mwati wa marsi ya taleu rahazi la miri ya mbali nambali kawasurumia sharia ini mana raha kawapara iruhusa ya lawa harumwa nyumba ya mahakama. Mwaha 2018 vuhangilwa wanata 6000 wastamia wa 50 harumwa ilamiri ya mumuju. Habari zangina za husu deuzo uzo makartasi harumwa ushashira na mezimira rubano zvoti za libara la Europa. So tu anziani urais wa edao la Faransa bwana Emmanuel Macron parlea vanu wananiza mbato venza watu wa regira hawa hadisi ini ya vinga jina la espace Schengen ziti za Faransa za vonzi. Kaza husu ya na hadisi nordezini julao senateur Washima ore bwana Tani Mohamed Swali alongwa patongozi lazimu zigauhe emana bila shaka eni ito kaushababa no watu kamba do parao sejuru maure unu waje wasafiri wande harma mabavu yangina haondoeshi ini tongo ikamba lazimu bila shaka ihadisiwe wajao. Na zini de habari za nyumeni za husu ajali ya mabarini ya tungeshe a Jean-Paul Tozini akatoa bibulaptali ya momoju Andre Mbeliza Mungu mfumo tano ya vira. Ajali kamba sumnani zanuri namna warongwa bibi yumna mbaini hiviri mfumotano ya zuzi haruma lipare la kibulani uvandre wa mashkabu koropa aleweni wakitasi ya lawana na ishama ya polisi insa polisi waitanga za kamwe isuku ya ajalini ya vira haukingia wajuru wa kufanyazi sukuini na namna tongo na mnazu za vira amba mbiyo mbiyo nilizaka parimbabu baina ya mapolisi na algarli ni kamba dilitumi wawu amba lirenge fungo haruma ya ajalini haunani za mfumota na yazuzi kamkabala wa sehanda na mneo ya subui wakati mapolisi wanu wazipa parini hawafanya ziazi zao hakawainda uvandu wa ilise dunor mapolisi ikamba wawu kano fanya hazao vanu hakawainda na mnana na mwambiani wawono ligarlini walizi ya amba wawu wataha walitunde wawo ligarilo kalakubali ilazia bili kabili uenda uvandu wa majika wawu banda ikamba lishukiza mtu akapashia na wilo anziani karibu na duka la cinema functionary wala polisi wanu watahadharisha kamwe watu wabuliwa wao na tongondo dezini wabuliwa wao waombe amba wazii wasidunge mbio tena ligarlini bi wakati nodi namna ya shamaini ya ishadidisha wanu wangia kiritasi ligarlini wakati alo la dungo alifanya ujaribu mbabali tsahali zie kalazi ya beli lawa mbio lodi bali landata ajali ya fangishia lorema mtuno akavinga umoto parinvano skwe bwana Jean-Paul Tozini somnani zani akalama 60 na mili ya fariki dunia haibu ikamba waye akakodzo hajitiadi utunduzi utongesha atawenwa watu waili kama bwana kama urongo bwana wa mihononi na madhoma na rangu mwezi mwati wa marsi wa handa afanywa mizani exame detention provisoire wa vili waye arengwamba waye shahidi utunduzi wa raha kawazi ya ishama ya insa polisi uvandruayo ikamba yu isukingia wajuru wa wanu warungwa mbahazao wazifanya na mne lazimu kawandra kusatuka uyoti na wawo wasuwa kingi ya kiasi ya otosha mionomili mana wazifanya wazikabili tampaka watu ikamba doa kujo hui wa wakabanu wa waswili. Hasira deziruhura o hamazima moro wakaweni wasure makiasi ya utosha laporo ya tolewa nyumeni na dhamana wao laporo ya husu maendeleo yao ya hazi.
Tongo nyingi idu wazire maumonvanu hazao kasenda hazuri masharte hazi ya maziro. Zizombo wazurumia wajao kasujibu matarajio ya lazimu. Tongo zini kawazo nambazo stuwa muna ilaporu indemana leo waandiswa heza aliji. Mwamuna na wakatarishiwa isuku ya jana na oo wakondrojwa. Na mnajeji watu kabili wa ilaporu ini harumwa suku na imifumu ya kabili. Neka mfano. Unano watayarisha mwezi 15 wa mars umoja na madhoma na walijumba la conseil departemental kawatu wa mavuna kwamba watu benzili ya wapare bila shaka wa habili kamwe ambao kirikamba watu zia ziazi wa shuke na mabareni bwana Ahmed Alawi Abdul Karim unu wa ye mzimamoru indi hazia hii waiwaja udi uraisi waishama madaliano SN PPT PATS 976 asjumas wala jamila swadiki. Buku la chef watu alifanya ya hungali ya service heli ya liu heli enrao rangu zozavira haliu taliuvani na waya taha wa jazifanyi. Harina shtuzu watu wa jazifanyi wasi kafuta shtu moja ionese zao mba mapompi wa maori wana ya maarifa ya hazi wazifanyao. Kafuta shtu ionese zao mba harina ya maarifa ya hazi wazifanyao na shtuzo pia harina hazi rizifanyao formasyon zatu pia zo zo ufanyishiha norde heli zifanyishiao Faransa noho wengi nhazo wa mapompi wanya tu ala Faransa au doa jorfanyisi yao zo. Donc wae kavuta shtu moja yu ai itia mbeli andaonese zae wa mazefu ya truma elu amosa raha waya fanya shtia heyo tu mona biru ya he amosa voda aivingi direktom andanayo ama elu vode lirayo wa joronese zae wala wasi kara hadisi hunu behar na izu mwedelilio mba wasi risuo namba waya asurlihiza kasna maste hina wasi na wae neka hau juo hudevo wa sira leo tinunu isa rahashtu za turista hao mbade za leo muhimu na wasi na maisha hatu ya leovani kaziki zambeli na wasi rumambiazo lirardisa rumambiazo kaziki zambeli maelu watu wa juo mba leo mapompie watahashtu kada pare wakefete hazin hao. Mtutu wangina ikawa mba unu wanyo mazawa tahadhali shaka mwe mba ukirika mba otuanisa mfumuraru ya kabili na unu husu watu hazi wa soshe ya na SMAE hali jilavutuwa na ishama ya CFDT maore unu. Najima Mahamudu unde patinezo artistiki wa handa wa shimore ya regea harumu itiai bandama 17 aivita farantani ala wa maore akana mahamilaru leo ana mahashirini kala tumi abdiliadi. Ramungali ya sura ya he Najma Mahamudu fana na mwana mtamtiti baisha ana mahashirini. Unu mwana hirimu washi mtapere na waye akamarane kunge washi Faransa ya inihiruwa upatinaj artistiki. Ini mahakumi na saba rangu Najma adawi ya mauri basi asirongo amba afurahi kweli sahe na heli akulahiki uhunu. Patinaj artistiki lini langazo la uzina na uzinga didi wara harmwa la glasi. Rangu titinhahe Najma asilingaza asirambia amba wakati akamwanamta waye akanataharaki swafi bea mungi ya harmwa patinwar taharaki yahe ya kukuma. Akana mahasaba wakati shama ya dagula ansi wa mtahua waye na wajimazahe wakukiti Marsei wakatuu wakana uhara be shama ya ansi yodi shama buli ya shifaranta harmwa patinaj artistiki basi wakukiti ansi pare adungi langazo di mjivi yao. Be ansi woho kaya katsena adangazo be hazi ya kusudi wakati wahe pia uwa kuvita harmwa patinaji na alikuli. Alakini esirongo amba akure mambio tu wakati uwa be haheju yode maisha ya mfanya hazi ya sporu ya ujo. Lewini Najma Mahamudu anaanzozi moja tu lewenra harmwa Jeux Olympiques za mwa 2024. Narivite suku ya rana furaha maraba. Maraba mwana saindurto parana tena mesu kamgwa vendili 7h41. L'édito Ismaël Setrouyerit. Bonjour Ismaël. Bonjour Yumna et heureux de vous retrouver. Moi de même. Depuis le début de la semaine en vue de la célébration demain de la journée mondiale dédiée à la femme, chaque jour nous vous... Votre journée. N'est-ce pas? À toutes les femmes. Chaque jour, nous vous proposons le portrait d'une femme mahoraise pour montrer que celle-ci est en train de s'émanciper. Si l'égalité n'est pas encore au top, eh ben, elle est en progrès. En tout cas, une fois lancée, elle est condamnée à se concrétiser. Oui, nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 mars, n'est-ce pas? La veille du 8, date retenue par toutes les nations du monde
pour célébrer la femme et de rappeler aussi qu'elle a des droits. Si vous permettez cette petite piqûre de rappel, officialisée en 1977, voici 42 ans, la Journée internationale des femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières du début du XXe siècle pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Alors, vous l'avez dit, Ismaël, c'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Oui, traditionnellement, les groupes et associations de militantes préparent des manifestations pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications afin d'améliorer la situation des femmes. À Mayotte, on ne sait pas encore ce qui est prévu par la délégation des droits des femmes. On le saura sans doute demain. Mais ce qui est certain, c'est que peu à peu, chez nous, la femme rattrape son retard. Certes, il reste beaucoup à faire, mais au vu de ce que nous savons et de ce qui est appliqué ici et conforme à la loi, la femme mahoraise n'a pas à rougir et ce n'est pas la lanterne rouge si on la compare avec d'autres. Depuis lundi, sur cette antenne, vous l'avez dit, Zouria Hamza, une femme, n'est-ce pas, nous a dressé le portrait professionnel de plusieurs femmes avec des métiers divers qu'elles dirigent et parfois en étant à la tête d'une équipe composée essentiellement d'hommes. Et la Journée internationale des femmes reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. Oui, car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer, tout simplement. Partout dans le monde, on se bat pour l'émancipation de la femme. À Mayotte, on ne risque pas de perdre le pari, si vous voulez, si l'on s'engage à démontrer que plus du tiers des véhicules légers que nous croisons sur les routes de Mamoudzou sont conduits par des femmes. Chose inimaginable, voici quelques années. Et puis, il y en a même, Ismaël, qui sont commandantes des barges. Oui, elles sont mécaniciennes aussi, militaires, au GSMA et sportives. Par-dessus tout, ce matin encore, on a parlé d'une sportive. Qui croirait qu'une Mahoraise serait championne de patinage artistique, je crois, hein, en métropole. Najma. Alors voilà, Najma l'est. Donc, vive les femmes. La politique le réussit mieux, elle aussi, quand elles s'y mettent. Et même dans le métier de journaliste, elles arrivent facilement à talonner, voire surclasser les hommes. Et si le Salouva lui va si bien, le tournevis et la clé à molette, paraît-il, ne lui faussent jamais compagnie. Merci beaucoup Ismaël. Un édito donc à retrouver sur le site de La Première et on attend avec impatience votre édito de demain. Ah, Inch'Allah. Et la suite c'est avec vous Chafanti Alibako pour le supplément. Et le supplément aujourd'hui c'est avec Denis Herman, rédacteur en chef du journal Les Nouvelles de Mayotte. Bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour et vive les femmes. Vive les femmes et vive les hommes aussi quand même. Alors, Air Austral, la série continue, c'est votre la série de pannes continue, c'est votre une ce matin, après une énième panne d'avion pour la compagnie. Alors cet avion, vous nous rappelez que c'est le même qui avait décollé avec du retard avant-hier. Voilà, qui a décollé avec du retard dimanche pour un problème technique, encore une fois, hein, c'était un problème de climatisation. Et il a pu décoller avec plus d'une heure de retard, il est arrivé à Paris, mais il est resté à Paris hier, il est resté coincé, et puis les passagers qui devaient rejoindre Mayotte ce matin à 8h ben, n'arriveront que dans l'après-midi. Une fois de plus, les avions d'Air Austral tombent en panne toutes les 5 minutes et ça commence à vraiment inquiéter. Et est-ce qu'on a des informations sur cette nouvelle panne ? Alors écoutez, j'ai eu l'information hier soir, mais ensuite, bien après, que j'ai eu moi l'information de cet avion au sol, il y a eu un communiqué officiel de la compagnie Air Austral qui évidemment dit qu'elle regrette, comme d'habitude, hein, ce qui est normal, elle regrette, mais bon, elle explique qu'il y avait une panne technique suite à une pièce défectueuse qui devait être changée et cette pièce n'était pas en stock. Alors là, ça commence quand même à inquiéter parce que on connaît les services techniques à Paris. On sait comment travaille Air France Industrie. Air France exploite des 787 comme Air Austral. Donc
ils ont un stock de pièces dans leur hangar. Et ça paraît un petit peu bizarre. Moi, personnellement, ça me paraît un peu curieux. Hein. Je sais un peu comment fonctionnent les avions, mais ça me paraît curieux de dire « Ah ben oui, mais il manquait la pièce. Hein. » C'est comme si vous alliez chez votre garagiste en disant « J'ai besoin d'une batterie. Ah ben, on n'en a pas. » Ça ne fait pas sérieux. D'accord. Donc, il y aurait anguille sous roche. Et vous posez cette question qui devient pressante. Pourquoi toutes ces pannes? Et vous avez une partie de la réponse. D'abord, ces avions, c'est un peu ceux dont personne ne voulait à la base. Voilà, ce sont ce que les Américains ont appelé les « terrible teens hein, », c'est-à-dire les adolescents turbulents. Et ce sont des avions, il faut savoir que ce sont des avions de pré-série qu'avait fabriqué Boeing avant de lancer la vraie série des 787. Donc, c'est des avions d'essai, en fait, qui sont beaucoup plus lourds que les avions qui sont fabriqués aujourd'hui. C'est ce que j'explique dans mon journal ce matin. Et ces avions ont fait du béton, entre guillemets. Hein. Ils sont restés sur un parking pendant très longtemps parce que Boeing n'arrivait pas à les vendre. Personne ne voulait de ces avions qui n'étaient pas tout à fait au point puisque c'était des avions d'essai. Et comme Air Austral cherchait un avion pour faire la desserte Mayotte-Paris direct, c'était l'avion approprié, donc Air Austral a eu, on a acheté deux pour le prix d'un, donc ils ont fait une affaire quelque part. Pardon. Sauf qu'on voit que c'est pas une bonne affaire qu'ils ont fait puisqu'ils sont en panne toutes les 5 minutes et ce ne sont pas du tout les mêmes avions que ceux qui ont été fabriqués après et qui sont fabriqués encore aujourd'hui. C'est pas du tout les mêmes. Alors vous nous précisez justement que curieusement ceux de la Réunion, eux, ne tombent jamais en panne. Ceux qui relient la Réunion à Paris. Oui, enfin bon, ça c'est pas tout à fait les mêmes avions non plus. Hein. Il faut faire attention, il faut quand même faire un petit distinguo. Mais c'est quand même curieux de voir que les... Mais justement, Mayotte écope de ces avions-là qui ont été achetés au rabais, tandis que sur l'île de la Réunion... Voilà, ils ont été achetés au rabais pour la ligne Mayotte-Paris, puisque c'est les seuls avions qui sont capables d'utiliser la piste qu'on connaît à Mayotte, hein, dont on parle assez régulièrement. Donc ces avions-là, ben, ils ont été achetés au rabais parce que c'était la bonne affaire pour Air Austral de faire des économies quelque part, en se disant on va prendre les avions de pré-série et puis bon, on va foutre des fauteuils là-dedans et puis ça va rouler. Hein. Sauf que c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Et vous avez dit tout à l'heure anguille sous roche. Moi je dirais pas qu'il y a anguille sous roche. Je pense que au niveau de la direction d'Air Austral, il y a quelque chose qui s'est passé et on a peut-être négligé, entre guillemets, la maintenance de ces appareils en prenant en compte tous les défauts de ces avions, les défauts de naissance, et ce qui fait qu'ils se retrouvent cloués au sol et qu'ils manquent des pièces, entre guillemets aussi. Et on sait tous qu'Air Austral va présenter un bilan qui sera pas très bon. Hein, Monsieur Mallet, d'ailleurs, le PDG, on a déjà parlé un petit peu, il a soulevé le voile en disant que les résultats seraient pas très bons. Donc, est-ce que Air Austral aurait des difficultés financières et n'arriverait plus à subvenir à ses besoins au niveau de la maintenance? Je pense pas que ce soit ça, mais il doit y avoir un peu de légèreté de ce côté-là. Alors, jusqu'ici, Denis, les problèmes ont pu être détectés avant, mais toutes ces pannes provoquent quand même une certaine méfiance à l'égard de la compagnie. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Non, il faut pas avoir peur. Vous savez, aucune compagnie ne prendrait le risque de faire décoller un avion qui ne soit pas parfaitement fiable en vol. Vous vous rendez compte, vous ne pouvez pas dire à un commandant de bord, vous décollez même si vous avez des rouges partout. Non, non, ça ne se fait pas. Non, non, ce n'est pas possible. C'est pour ça que les avions restent au sol. C'est pour ça qu'Air Austral a des problèmes, parce qu'ils sont obligés de garder leurs avions au sol tant qu'ils ne sont pas réparés. Mais personne, aucune compagnie ne prendra le risque de faire décoller un avion qui ne soit pas en bon état et qui risque de s'écraser. C'est pas possible. Non, non. D'ailleurs, Air Austral le dit, hein, partout, la sécurité, c'est notre priorité numéro un. Et ce qui est normal, d'ailleurs, parce qu'on confie quand même notre vie à une compagnie aérienne. Il faut faire attention. Donc, le fait que la sécurité soit la priorité numéro un d'Air Austral, ça se vérifie, puisque dès qu'il y a un problème, Air Austral ne prend pas le risque de faire décoller son avion et préfère le garder au sol et dispatcher, quand c'est encore possible, les passagers sur les autres vols et les faire passer par la Réunion, ou les maintenir dans un hôtel et puis de les prendre en charge jusqu'au lendemain que l'avion soit réparé.
Alors, il y a un passage de votre article qu'il faut citer. Vous dites, on arrive à se demander s'il ne faut pas maintenant que les autorités de l'État au plus haut niveau mettent leur nez dans cette affaire en exigeant notamment compensation financière. Oui. Donc, l'État peut-il intervenir ou doit-il intervenir ? Moi, je pense que l'État, maintenant, devrait commencer à poser des questions sérieusement à Aerostral en disant, écoutez, vos avions, qu'est-ce qui se passe ? On veut savoir. On est otage à Mayotte, les Mahorais sont les otages d'Aerostral, puisqu'il n'y a qu'une seule compagnie qui dessert Paris au départ de Mayotte, c'est Aerostral. On n'a plus Corsair, on n'a plus XL, on n'a plus personne à part Aerostral. Donc là, il y a vraiment un problème, et je pense que maintenant, ça relève de l'État. L'État devrait dire, bon... on se met en négociation avec XL Airways ou on se met en négociation avec Corsair et quitte à compenser, ah ben on les remet sur la ligne Paris-Mayotte avec leurs Airbus A330. Puisqu'ils sont déjà venus, c'est possible, on peut le faire. Ça a été démontré puisque ça s'est fait. Donc il n'y a pas de raison que ça puisse pas se poursuivre. Et puis en attendant qu'il y ait une compagnie qui décide de venir s'installer à Mayotte. Mais c'est très compliqué. Tout ça, c'est très compliqué parce que monter une compagnie aérienne, ça coûte très cher. Vous pouvez pas dire, tiens, demain, je vais monter une compagnie aérienne et puis je vais faire de la concurrence à Aerostral. Ça se passe pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Donc là, maintenant, avec le monopole de fait d'Aerostral qui nous amène et qui amène les voyageurs avoir des soucis, parce que vous avez des gens qui ont des rendez-vous, qui doivent venir, qui ont des rendez-vous fixes. Moi, j'ai un exemple personnel. Hein. J'ai quelqu'un qui arrive ce week-end et qui doit être là impérativement lundi matin. Si l'avion est en panne, ça va mal se passer, pour moi. Donc ça, je peux pas me permettre des trucs comme ça. Donc là, maintenant, il est impératif qu'Aerostral ait de la concurrence à Mayotte. Et je pense que l'État devrait commencer à remuer un petit peu et puis à taper du poing sur la table en disant on peut pas continuer comme ça. Oui, avant-hier, je devais récupérer un ami. À 8h10, l'avion a atterri à 20h, et plus. Oui, quoi. Oui, mais voilà. Mais alors en plus, il y a un déficit de communication chez Aerostral parce qu'on ne vous dit rien. Personne ne dit rien. On vous envoie à 21h30 un communiqué qui est tapé à la machine. Hop, voilà, merci, au revoir. Et puis Aerostral s'excuse. Alors c'est exactement ce qui s'est passé aussi hier à la Réunion. Mais voilà, c'est ce qu'ils ont fait hier. D'ailleurs, on voit le message. Enfin, ils ont eu a priori un problème, une panne d'informatique à l'aéroport. Sauf que les passagers donc présents, enfin, ont quand même demandé au moins à avoir une information. C'est-à-dire qu'il y a aussi Air France qui avait un problème. Il y a eu deux choses hier. Excusez-moi, il y a eu deux choses hier. Il y a eu une panne informatique à Gilo, à l'aéroport de Gilo, qui n'a rien à voir avec Aerostral. Mais comme il y a eu cette panne informatique, vous comprenez bien que tous les avions sont restés au sol et ont pris du retard, parce que pour enregistrer, pour les bagages, tout ça, ça passe par informatique. Donc là, c'est Gilo qui a eu un problème, donc il y a eu un souci indépendant d'Aerostral. Ça, c'était hier après-midi, à Gilo, à La Réunion. Et hier soir, c'est un problème Aerostral, parce que l'avion est réellement tombé en panne. D'accord. Les Mahorais, ce n'est pas pour donner des mauvaises idées, mais les Mahorais pourraient donc s'adresser à l'État et demander des comptes. Après, il y a aussi une réclamation que peuvent faire les passagers. Quelque part, l'État devrait prendre en compte cette affaire et puis dire, bon, y a un problème, il faut qu'on donne un coup de main pour le résoudre, il faut qu'on mette une autre compagnie sur la ligne, quitte à la financer. Par des compensations. Il faut savoir aussi que Mayotte, c'est nous, on n'a pas droit à la continuité territoriale, c'est pas normal. Donc là aussi, il y a un souci. Là aussi, l'État devrait mettre son nez dans cette affaire et puis dire, bon, continuité territoriale, il faut une autre compagnie qui desserve Mayotte pour que les Mahorais aient le choix de voyager, soit sur une compagnie, soit sur une autre. Et puis, ça ferait peut-être baisser aussi le prix des billets d'avion. Mais ça, c'est un autre problème. Pour l'instant, le problème qui concerne Aerostral, c'est le problème des avions qui tombent en panne tous les jours. Et ça, c'est inquiétant. Merci beaucoup, Denis Herman, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que votre article « Aerostral, la série noire continue » est à lire dans le journal « Les Nouvelles de Mayotte ». Merci encore. Merci, au revoir. Au revoir. Et à l'instant, donc, ce message d'une personne qui était donc hier à l'aéroport à La Réunion. Et ce qui est désolant dans tout ça, c'est que nous n'avons eu aucune information. Nous sommes restés des heures et des heures à l'aéroport et aucune information n'a été donnée par les hôtesses. Air France, eux, ils ont pu communiquer et rappeler qu'il y avait un retard. Voilà. Donc, c'est...
les personnes peuvent... Bah, oui. En tout cas, on le rappelle qu'il y a aussi, donc, normalement, quand il y a un retard, on peut faire une demande de réclamation pour le retard, ou soit sur Internet, ou quand on arrive à l'aéroport, je crois qu'il y a un document où on peut demander sur place. Beaucoup de messages aujourd'hui. Pour les retards ou pour les vols annulés, etc. Selon les heures aussi. Enfin, il faut aller se renseigner et directement sur le site. Ne pas oublier aussi de demander des indemnités. Exactement. Et on parle beaucoup aujourd'hui, je me retourne vers vous, bizarrement, Ismaël, parce que vous êtes le seul garçon aujourd'hui, Foot. Vous l'avez remarqué. Max, il est de l'autre côté aussi, Max à la technique. Oui. On parle de Paris, voilà, il y a beaucoup de messages aujourd'hui pour les Parisiens ont perdu. Qu'est-ce que c'est triste, mais tant pis pour eux, voilà, donc d'autres messages aussi. Vous êtes pour le PSG, Ismaël ? Non, je suis Marseillais, mais hier j'étais quand même pour le Paris Saint-Germain. Hein, parce que bon, je suis un peu chauvin, moi aussi. Mais je pense qu'on devrait franchement regarder bien les règles d'arbitrage. Hein, parce que lorsque le joueur du Manchester United a shooté, le joueur en face... avait le dos tourné. Donc, il ne pouvait pas voir et éviter la balle qui venait derrière. À mon avis, cela devrait être une circonstance atténuante, comme on dit, pour ne pas accorder une pénalty, mais accorder plutôt un corner, par exemple. Voilà un connaisseur. Exactement. Voilà, Paris, donc on en parle. Bravo quand même à Paris, l'équipe championne du monde des équipes qui gagne sur le terrain des adversaires à l'aller avec une différence de but importante et qui perd toujours à domicile. Paris, lorsqu'ils perdent, on ne les entend pas, ils sont bien timides. Est-ce que vous avez remarqué ce matin, Youmna ? Et pourtant, nous, Marseille, quand on perd ou quand on gagne, on en parle. Oui, c'est le jeu. C'est bien cela. Mais moi, bien que en étant Marseillais, je ne vais pas me moquer de celui qui se noie. Oui, chacun son tour. Bon, voilà. Et puis on attend bien sûr ce match Paris-Marseille le 17 mars. Voilà, le 17 mars. Merci. Classico, comme on dit. À suivre. Ouais. Merci donc d'avoir suivi votre matinale. On se retrouve dès demain matin à 5h. L'équipe, je vous souhaite une excellente journée. Et merci également, Max, d'avoir réalisé la matinale. La matinale n'a only entreprise m'ta l'amour au téléphone. On lit. Istaoui. Moi, j'aime.